au sein du plancton, je m'intéresse à ce qu'on appelle les copépodes, qui sont des petits crustacés planctoniques qui font 1 à 2, 3 mm parfois. Ces organismes sont considérés comme les animaux les plus abondants des océans, mais aussi correspondent à la biomasse la plus importante, donc en termes de quantité de matière. Et parmi ces copépodes, en fait, on va retrouver plein d'espèces différentes, leurs caractéristiques principales étant donc d'être ces petits crustacés qui ont une morphologie assez particulière, avec un corps allongé en forme de torpille, de grandes antennes, une antennule, et un œil unique, qu'on appelle l'œil noclien. Et pour ceux qui connaissent Bob l'éponge, les copépodes, en fait, ça correspond à Monsieur Sheldon, Sheldon Plankton, qui est bah, voilà, un copépode, c'est vraiment un organisme emblématique du plancton. Et donc, ces copépodes, ils sont très intéressants parce qu'ils sont aussi très diversifiés, il y a plein d'espèces qui existent. Parmi les copépodes, on trouve ainsi des organismes qui vont être herbivores, hein, qui vont manger des microalgues, d'autres qui vont être carnivores, qui vont se nourrir d'autres copépodes et qui vont chasser en particulier à l'affût, en sillonnant la colonne d'eau, ou alors qui vont être plutôt positionnés de manière stable dans la colonne d'eau et dès qu'une proie va passer, ils vont leur sauter dessus. Hein, les copépodes sont capables de faire des sauts assez impressionnants étant donné leur taille. Il y a aussi des organismes qui sont omnivores, qui vont manger un peu tout ce qui passe, et d'autres qui sont ce qu'on appelle des détritivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger les particules marines. Parce que dans les océans, avec les organismes planctoniques, il y a aussi plein de neige marine, c'est des petites particules de matière organique qui sont en fait qui résultent de l'agglomération de cellules mortes, la production également des fesses, hein, des organismes planctoniques. Tout ça, ça va sédimenter, de la manière que les organismes morts ou les mues des copépodes vont aussi sédimenter. Et au fur et à mesure, être consommé par tout un tas de bactéries et donc former des agrégats plus ou moins gros. Et ça va également permettre à une partie des organismes planctoniques de s'alimenter sur cette neige marine. Les copépodes jouent vraiment un rôle central dans les réseaux trophiques marins, puisqu'en fait ils sont vraiment dans un niveau intermédiaire entre les microalgues, qui sont les producteurs primaires, et les consommateurs supérieurs, en particulier les poissons. Et donc on a ainsi pu montrer par exemple que si les conditions environnementales étaient modifiées, les communautés de zooplancton, en particulier de copépodes, étaient modifiées, et ça avait des impacts directs sur les pêcheries, en particulier sur les stocks de morues, de sardines ou de maquereaux. Puis enfin, les copépodes, ils vont aussi avoir un rôle essentiel dans ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique, c'est l'export de carbone organique vers le fond des océans. Les copépodes, je vous ai dit, il y en a certains qui vont être herbivores. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle du sloppy feeding, c'est-à-dire qu'en fait, ils mangent très salement, en apportant des particules alimentaires auprès de leur bouche. En fait, il y a toute une partie des particules qui vont tomber un peu comme des miettes. Voilà, si on mange salement, il y a plein de miettes qui tombent. C'est pareil pour les copépodes. Et donc, en fait, en s'alimentant, ils vont aussi générer plein de miettes qui vont sédimenter dans le fond des océans. Ils vont produire des pelotes fécales, hein, c'est leur caca. Là aussi, ça va aussi contribuer à la production de neige marine et à l'export de cette matière organique vers le fond des océans, de la manière que lorsque l'organisme veut muer, hein, ou alors lorsqu'ils vont muer, puisque les copépodes ont différentes mues. Donc ça va contribuer activement au transport de carbone vers le fond des océans. L'autre chose aussi importante que font certains copépodes, c'est qu'ils entrent en diapause, en hibernation pendant tout l'hiver, et ça c'est en particulier vrai pour les espèces qui se trouvent au niveau des pôles, donc en particulier au niveau des zones arctiques. Il y a des copépodes qui sont plutôt gros, ce qu'on appelle des calanus, qui vont avoir tendance à hiberner pendant toute la phase hivernale, donc quand il n'y a pas de lumière et qu'il n'y a rien à manger en surface. Et bien ces organismes-là vont migrer vers le fond à 1000, parfois même 1500, 2000 mètres de profondeur. Ils vont passer tout l'hiver au sein en profondeur en dormance. Pendant cette période-là, ils vont continuer à respirer de manière très faible, avec des taux métaboliques très faibles, mais ça va également contribuer finalement à libérer du carbone dans les profondeurs des océans. Comment est-ce qu'ils passent l'hiver en profondeur sans s'alimenter? Eh bien, ils vont vivre sur leurs réserves lipidiques. Et donc, ces espèces ont à l'intérieur de leur corps une très grosse capsule lipidique, une grosse goutte d'huile, si vous voulez,
qui leur permettent de faire des réserves et de survivre à la période hivernale. Et donc classiquement, pour étudier ces gouttelettes lipidiques présentes chez les copépodes, bien on peut, en récoltant les organismes, faire des analyses basées sur la chromatographie pour essayer de caractériser les différentes molécules présentes dans ces gouttelettes lipidiques. Et on peut aussi maintenant, grâce à la méthode d'analyse automatique d'images, quantifier de manière automatique la taille des sacs lipidiques que l'on observe sur les images. Et donc ça, c'est intéressant parce que être capable de mesurer automatiquement, à partir d'un très grand nombre d'images, la quantité de lipides présents chez ces copépodes permet de renseigner sur la qualité, la santé des écosystèmes, puisque un écosystème en bonne santé, qui va être productif, qui va être diversifié, sera caractérisé par des copépodes dont les contenus lipidiques sont très riches et très gros, très importants. Et donc pour analyser les images qu'on collecte sur le zooplancton, maintenant il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Alors classiquement, pourquoi on utilise ça? C'est pour faire de la reconnaissance automatique. Donc c'est des outils de classification, c'est-à-dire qu'on va apprendre, on va entraîner l'ordinateur à reconnaître tel et tel grand groupe de zooplancton ou tel grand groupe de copépodes. Et avec un nombre suffisant d'images, en fait, ça suffira pour entraîner, grâce à des algorithmes automatiques, donc en particulier ce qu'on appelle maintenant les réseaux de neurones convolutifs, qui sont des algorithmes de reconnaissance automatique qui sont très efficaces pour classer les images. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir finalement gérer des très très grands jeux de données. Pour vous donner un ordre d'idée, à Villefranche-sur-Mer, au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, une des trois stations marines de Sorbonne Université, mes collègues ont développé un outil pour interfacer et manipuler ces grands jeux de données d'imagerie. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 180 millions d'images qui sont dans la répertoire des images individuelles, pour lesquelles il y en a plus de 70 millions qui ont été annotées taxonomiquement, c'est-à-dire qu'on a associé une image à un grand groupe taxonomique. Ce que l'on peut faire maintenant pour aller encore plus loin, c'est apprendre non pas à reconnaître les grands groupes taxonomiques, les espèces, mais apprendre à reconnaître des caractéristiques morphologiques des organismes. Donc on peut par exemple apprendre aux ordinateurs à reconnaître le sac lipidique, à le détourer de manière automatique dans l'image. On peut aussi quantifier la rougeur dans les images, en particulier de copépodes. Et donc ça permet d'avoir une vision qui va être un peu nouvelle sur les écosystèmes. On va plus juste s'intéresser à la liste des espèces qui sont présentes, mais aussi à caractériser ces organismes-là, dans quelles conditions est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils sont en bonne santé, en mauvaise santé, est-ce qu'ils sont gras, est-ce qu'ils sont maigres. Et donc ça, c'est une information essentielle pour mieux connaître et pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes planctoniques.